سفارة سويسرا بالجزائر، هذا المكان الذي يؤرخ لبداية الاتصالات التي دفعت إلى اتفاقية إيفيان الشهيرة التي أدت إلى استقلال الجزائر، جرى إعادة تهيئتها رفقة إقامة السفير هذه الأخيرة التي تم الانتهاء منها مع مراعاة شروط المحافظة على البيئة ومضادة للزلازل. Et c'est un magnifique travail qui a été fait par des architectes primés lors de concours. Il y a eu des Algériens et des Suisses qui ont travaillé ensemble. Il y a énormément de travail, de réflexion. Le but, c'est d'avoir des choses qui soient belles, qui soient sûres contre les tremblements de terre. C'est pour ça qu'il a fallu reconstruire. Et en même temps, le monument lui-même, il a une histoire. On a même un petit meuble historique de 1961 qui a entendu ou vu des tractations secrètes entre le GPRA et les Français. Donc c'est un bâtiment spécial et ce soir, on invite tous nos amis, nos partenaires, on a invité les Suisses, on a invité différentes personnes à découvrir ces lieux. سفير سويسرا جمع سفراء الدول ووجوه جزائرية جاءت لحضور حفل الاستقبال والتدشين. Remettre le jardin en ordre et de reconcevoir certaines parties, étant donné que la maison qui était là avant, à ce même endroit, réagissait différemment avec le jardin. Je pense que la chose vraiment intéressante dans ce projet, c'est qu'on travaille sur trois différentes échelles. Il y a l'architecture, il y a ça qui se passe autour, le paysage, les plantes, et il y a l'intérieur, les petites choses. C'est un bâtiment qui exprime la diversité culturelle de la Suisse dans son architecture, c'est la diversité dans l'unité. J'ai eu la chance dans ma collaboration de travailler avec une femme, avec Nawel Zemir, et on a travaillé d'égal à égal et dans une communication hebdomadaire pour travailler à une réalisation fine et une qualité dans tous les détails. Mais c'est une structure qui s'ouvre de tous les côtés. Et pour nous, les architectes, cette ouverture symbolise le dialogue, l'ouverture, le dialogue entre le peuple algérien et la Suisse. بلد يوصف بدقة الساعات السويسرية والشوكولاتة والأجبان يمكن الاستفادة من خبراته العديدة. Ce petit morceau de Suisse au cœur d'Alger la Blanche. Merci.